Bonjour les amis, alors ici, comme vous pouvez le constater, je suis dans la salle de bain de Daniela. Daniela est allée faire un tour avec le petit. Ça m'a laissé le temps et ça m'a donné une superbe idée, surtout de me venger par rapport à cette PlayStation. Comme vous le savez, ma PlayStation, c'était mon moyen de détente quand j'arrivais à la maison. Je pouvais jouer à ma Play. Vous les filles, vous pouvez pas le comprendre. Les hommes, on peut le comprendre. Donc qu'est-ce qu'ils adorent les femmes? Qu'est-ce qu'ils adorent les femmes? Le maquillage. Oui, en effet, le maquillage, je pense que c'est une bonne vengeance parce que la poussette, c'était une vengeance, mais qui était petite. Le maquillage, c'est équivaut à une PlayStation pour un homme. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va choisir le maquillage qui pourrait être utile à cette vidéo. Donc, les amis, je vais vous montrer le maquillage à Daniela. Donc, ça pourrait m'intéresser. Donc, je le mets dans un bidon et je vais vous expliquer ce qu'on fait après. Ça, c'est pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Ah, c'est un peu grand. Oh, la petite, elle est là. Ça, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, ça, on peut prendre aussi. Non, là, il n'y a rien là. Les petits pinceaux. C'est parfait. Donc, je pense que le bidon, comme on peut constater, il est bien plein. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire maintenant, étape par étape. Et ensuite, Daniela découvrira sa surprise. Le maquillage, il est ici, dans ce joli petit seau. Et nous avons à côté un bidon d'eau. Donc, je ne vais pas mettre le maquillage dans l'eau, comme ça, parce que ça serait trop facile, ça serait trop simple, et ça serait pas drôle. Donc, maintenant, ce que je vais faire qui est beaucoup plus amusant, je vais prendre ce petit seau d'eau et regarder ce que je vais faire. Donc, je vais vous montrer comment on fait du plâtre avec. Et c'est juste facile. Donc, vous mettez de l'eau et vous mettez ce petit poudre comme ça pour que ça soit bien une pâte qui devient très dure et qui s'appelle le plâtre. Donc, nous allons prendre palette par palette et nous allons mettre son maquillage comme un petit cadeau surprise. Voilà, attendez. Ah là, mais bien là. Donc là, et attention, attention. On referme le trou. Oui. On referme parce qu'il a froid, le petit maquillage. Donc ensuite, nous allons prendre l'autre palette. Elle est quand même jolie, celle-là. C'est pas grave. Ah là. Ah, un petit pinceau. Oh, petit pinceau, il est monté. Mais on va mettre comme ça. Voilà. Voilà, ça. Voilà. Comme ça. Ça. Comme ça. Et ça. On va faire. C'est joli comme ça. Ça, c'est mieux. Et ensuite, nous allons recouvrir le tout. Il faut quand même que laisser dépasser un petit peu pour qu'elle s'aperçoive que son maquillage est pris au piège. Vous comprenez? Je me réjouis de voir sa tête. Elle a passé toute l'après-midi à sécher. Et comme vous pouvez le voir, ça tient. Donc maintenant, je vais donner à Daniela. Je l'attends qu'elle rentre à la maison et elle verra sa petite surprise. Alors là, on attend Dani. Elle va arriver. J'ai entendu l'ascenseur. J'en peux plus. Coucou bébé! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un cadeau pour toi. Avec un marteau. Prends! Oh Niki, t'as fait quoi? Pourquoi t'es jamais contente? Vas-y. Bon, ferme les yeux. Ferme les yeux. Parce que c'est très lourd. Tu regardes pas, tu triches pas. Ferme les yeux. Je ferme les yeux là. Ok. Tu penses que c'est quoi? Bah, je sais pas, le truc que tu tapes là, qu'il y a des bonbons. Le truc que je tape pour les bonbons, c'est presque ça. Ça va te plaire. C'est vrai? Oui. Tu peux ouvrir! Prends bébé. Prends bébé. Prends bébé. T'as mis quoi là-dedans, Nico? Il y a tous mes pinceaux, Nico. Ça m'a coûté une blague. Ça m'a coûté 200 dollars. Mais écris les pinceaux. Bébé, tu te souviens de la PlayStation? Mais va te faire. C'est pas pareil, Nico. Mais elle a rien. Elle a rien. Elle a. Tu peux réutiliser les pinceaux, tu crois pas? Connard! Où tu dépenses 500 balles pour des maquillages? Où tu dépenses 500 balles? Où? 500 balles? Mais ferme! Ferme! Ferme ta gueule, mec!
Nico, casse-couille, putain, t'as mis quoi là-dedans? Vraiment, t'as mis quoi? Bah, prends le marteau. Il est où le marteau? Derrière toi. Je te jure, si t'as mis encore des palettes dedans, je te promets. Ouh là là, attends, je vais voir sur vos palettes, s'il y a quelque chose. Je te jure, vois pas laquelle on est, mais je te promets, il y a une qui est chère. Mais mon gars, pap. Oh, mais je vais me faire mal, pire c'est ça, c'est que je me crève. Oh. Bon, tu veux que je te dise? Il y a quoi dedans? Il y a ta palette Dior, il y a des pinceaux. Ma palette quoi? Nico, t'as mis quoi, vraiment? Ciao, amour. Nico, t'as vraiment mis la Dior? Dis la vérité, amour. S'il te plaît, dis-moi la vérité, t'as mis Dior? Non, c'est bon. T'as mis Dior? Non, non. T'es sûr que t'as pas mis Dior? Ouais, j'ai pas mis. T'es sûr? J'ai mis! Non, c'est bon. Que t'as pas mis la Dior? T'es sûr? Tu peux réutiliser. Mais tu te rends compte, Nico, la veille, je te l'ai racheté, Nico. Là, c'est du maquillage, putain. Tu casses les couilles, 500 balles pour du maquillage. T'es plein de plâtre. Bon, bah, je t'aime, bébé. Perigosa. Se não fugir, ela vai me matar. Perigosa.